Shavasana. Les jambes tendues vers l'avant qui débordent du tapis, les bras qui sont aussi ouverts sur les côtés. Inspirez. Expirez. Relâchez tout le corps. Observez votre corps, comme il se sent. Observez les muscles du visage, peut-être qu'il y en a qui sont en tension, comme les muscles de la mâchoire ou les muscles autour des yeux. Relâchez-les si c'est le cas. Il faut aussi prendre un instant pour observer vos pensées et les visualiser, comme si c'était des nuages qui passaient dans le ciel. Parfois, il y a beaucoup de nuages. Parfois, le ciel est tout bleu. Ça dépend des jours. C'est ok. Essayez un peu comme les nuages de vous en détacher et de les laisser passer. Les laisser venir et partir. Sans forcément leur attacher une qualité quelconque, mais juste en les observant. Si jamais ces nuages sont un petit peu trop encombrants, vous pouvez concentrer votre attention sur votre souffle qui rentre et qui sort par le nez. Cette attention, elle peut se porter sur le son du souffle, mais aussi sur le mouvement dans le corps, sur sa fraîcheur ou sa chaleur. Se ressent au niveau des narines. Ce qui est chouette avec le souffle, c'est qu'il est toujours là pour vous ancrer, pour vous ramener dans le moment présent. Avec douceur et lenteur, commencez à amener du mouvement dans le corps, dans les extrémités, puis peut-être en trouvant un étirement. Inspirez, expirez, formez une boule avec votre corps en amenant les genoux vers la poitrine et laissez tomber les genoux vers la droite ou vers la gauche. Formez un petit coussin avec votre bras pour être dans la posture du fœtus un instant. Et repoussez-vous avec lenteur, le moins de mouvement possible. Pour vous retrouver en tailleur. Sommet du crâne vers le ciel, les yeux toujours fermés si c'est ok. Placez les mains en prière devant le cœur et vous pouvez abaisser le menton vers la poitrine. Prenez un instant pour vous remercier d'avoir pratiqué. Avant de cligner des yeux pour pouvoir les ouvrir avec le regard dirigé vers le sol et de relever la tête. Merci beaucoup. À très bientôt sur Souka Yoga.